C'est l'heure de midi actualité de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal, un journal qui partira de la présidence de la République où la situation de déplacés du conflit entre Teke et Yaka dans la province de Maïndombé, les questions sécuritaires et le développement de la province de la Tchopo, de points au centre des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier dans la soirée avec le gouverneur de ces quatre provinces respectivement, le Kwilu, le Kwango, le Maïndombe et la Tchopo. Les détails avec Pierre Kebambe Somoïsa. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Maïndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Maïndombe à la cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Teke-Yaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, du Grand Bandundu, et les déplacés issus du conflit Teke-Yaka dans les territoires de Kwamoto. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, et à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par le soutien du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous faisons, nous posons comme acte, c'est lui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a à me dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage. On reste dans ce chapitre du président de la République qui a reçu une délégation de la Grande-Bretagne dans son cabinet de travail. Suivez. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit à travers le monde, c'est le leitmotiv de la visite en RDC des Son Altesse Royale Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement Lord Ahmad. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Pour le ministre d'État aux Affaires étrangères, envoyé spécial du Premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles. Ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Panzi et à la fondation du docteur Denis Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. And we must focus on those young... Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait
et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur le genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tous ces efforts. Cette visite en prélude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles et la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo. Situation inquiétante dans le province de Maïndombe, Kwilu et Kwango. Le gouverneur du Grand Bandundu ont saisi le Sénat. Ils ont échangé avec le président Baatilou Kouébo sur l'insécurité qui sévit actuellement dans cette partie du pays. Plus de précisions avec Sandra Nyangui. Ils sont venus en bloc au bureau du président du Sénat. La situation qui prévaut actuellement dans le Grand Bandundu nécessite de gros moyens. Trois chefs des exécutifs provinciaux de Maïndombe, Kwilu et Kwango sont venus demander à Modeste Baatilou Kouébo, président du Sénat, de plaider auprès du gouvernement central pour une augmentation de l'effectif des éléments des forces de défense et de sécurité envoyés sur terrain pour éradiquer les violences et l'insécurité qui bat son plein dans le Grand Bandundu, car certaines sources attribuent cette situation à une main noire. La sécurité qui prévaut dans le Grand Bandundu devrait être prise au sérieux, car géographiquement, très proche de Kinshasa. Tout ce que nous demandons aussi, qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires. Envoyons-nous d'autres régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème, parce qu'on parle de la main noire derrière. Moi, je suis Yaka. Sincèrement, les miens chez nous, nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais les problèmes restent encore. Aujourd'hui, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet maintenant, qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi les Yaka qui sont dans les forêts. Qu'ils viennent autour. Hein? Comme ça, ils vont parler aussi. Alors il faudra créer, la suggestion était qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces Yaka puissent sortir. Parce que ce sont eux qui sont en train de semer la terreur d'après les informations que nous tous nous avons. Mais moi, bon, quelque part, je mets aussi en doute parce que quand on dit de la main noire, à mon avis, il y a aussi d'autres forces derrière. On ne peut pas identifier. Faisons un effort pour identifier ces forces-là qui profitent de cette situation pour essayer de foutre le désordre. Et aussi la particularité, n'oubliez pas que Kwamout, c'est la porte de Kinshasa. Kenge Mongata, la route nationale, hein, c'est la porte. Ce sont les derniers verrous avant d'atteindre Kinshasa. Et ce n'est pas pour rien aussi, à tous ces désordres-là. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, nous allons aux élections. Et toutes ces questions restent pendantes. On se pose tous les questions par rapport à toute cette situation. Mais nous pouvons rapidement éteindre ce conflit, éradiquer toutes ces violences si on nous déploie des militaires. Mais beaucoup. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le président Modeste Baatilou Kouébo ne ménage aucun effort pour le développement de ces dernières. Il a pour ce faire échangé avec le gouverneur de la Mongala, César Limbaya. Leur entrevue a gravité autour des nombreux défis sécuritaires et de développement qui passent indubitablement par la construction des infrastructures de base. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a pris l'engagement d'en faire part au gouvernement central. Les jeunes en première ligne pour lutter contre les changements climatiques, l'Institut national des préparations professionnelles veut le former sur les énergies alternatives en République démocratique du Congo. C'était lors de la pré-COP 27 tenue à Kinshasa. Néné Maïzana, Richard Kalala et René Wand. Dans la lutte contre le changement climatique, la formation professionnelle et le transfert des technologies sont indissociables. L'Institut national de préparation professionnelle a présenté ses filiales de formation à la COP27. Il s'agit notamment de la formation, l'agroalimentation, les bâtiments, génie civil avec les constructions écologiques. Ceci apparaît comme une contribution efficace à la réduction des émissions et au transfert des compétences. L'INPP est représenté ici pour apporter son apport sur la question de la préservation de l'environnement et dans son volet de transfert de compétences. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une gestion efficiente de nos écosystèmes et sans pour autant parler de la formation de la population congolaise. Comme établissement public spécialisé dans la formation professionnelle, le directeur général de l'INPP, Patrick Kayembensoupi, représenté, estime accompagner le gouvernement congolais dans la lutte et la mise en œuvre des objectifs de développement. Face à l'urgence climatique, l'Institut supérieur de commerce
organise le mercredi prochain une conférence de parties prenantes congolais sur le climat et pour sensibiliser les étudiants. Une réunion préparatoire était organisée hier et le directeur général de l'ISC, le professeur Émile Ngoï Kassongo, a aussi reçu une délégation des experts. On en parle avec Grace Maosso. Est au préparatif de la COP 27 prévue incessamment en Égypte. C'est dans cette optique qu'une conférence avec les parties prenantes congolaises sur le climat, option congolaise face à l'urgence climatique, va se tenir à l'Institut supérieur des commerces à l'initiative de la vice-première ministre Eve Bazaïba. Le directeur général de l'IEC, le professeur Émile Ngoï Kassongo, a au cours d'une réunion démontré que plusieurs aspects ont été évoqués dans le cadre de pré-COP 27. Tout d'abord, je recevoir un ami, un frère, un professeur, donc un collègue, qui est aussi notre président, mon président, la CIRAD, qui est une structure, comme vous le savez, qui se bat pour la promotion de l'économie verte. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie sans ajouter cette terminologie de l'économie verte, respect de la planète, dont tout le monde se rend compte de la fragilité de cette planète. Le professeur Daniel Moulinda, président de CIRAD, s'est réjoui de cet entretien. Il nous a fait l'honneur de mettre à la disposition la filiale de l'ISE gratuitement. Nous en profitons pour rendre hommage à Madame Vipène Bazaïba, qui, l'histoire le retiendra, à revaloriser les scientifiques de notre pays à l'occasion de la COP 27. Un appel a été lancé aux étudiants à participer massivement à cette journée scientifique. Et comment augmenter l'accès dans les zones rurales pour réaliser des économies d'échelle sur le marché du mobile? Comment investir en République démocratique du Congo? Et pourquoi? Et quelle est la politique de développement des infrastructures numériques? Ce sont là quelques questions auxquelles les experts du télécommunication ont tenté de répondre pendant deux jours de travaux organisés par le ministère de Pétentique avec le concours de la Banque mondiale. D'ailleurs, ce jeudi, le ministre Guissant Kibasa a clôturé ses assises en promettant de favoriser un climat de confiance pour les investissements accrus. Les détails avec Nono Manseko. Deux jours ont permis aux experts en télécommunications du secteur et public de pousser des réflexions sur l'accès universel au haut débit en RDC d'ici 2030. Ces experts ont cherché à répondre aux questions comment augmenter l'accès au TIC dans les zones rurales pour réaliser des économies d'échelle sur les marchés de l'économie mobile en RDC, comment investir en RDC et quels sont les critères de sélection pour financer un projet, quelle est la politique de développement des infrastructures, connectivité et des régulations du marché de l'économie en RDC. Les participants à ces travaux ont exprimé leur volonté commune de développer ces secteurs créateurs d'emplois. Ils ont tout de même reconnu que l'inclusion connaît un retard à cause d'un faible taux de pénétration et de couverture. Le ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba, qui a clôturé ses assises, s'est engagé à contribuer à l'économie du secteur par la croissance des 15% des recettes de l'État. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole à la clôture de ces assises importantes pour le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de communication. Comme vous le savez, la question centrale, je pense que Madame la Directrice est revenue là-dessus, était comment atteindre l'accès universel au haut débit en République démocratique du Congo d'ici 2030. Je me fais le devoir de remercier tous les participants car plusieurs recommandations, bien innovantes que pertinentes, se sont dégagées de vos échanges. Mon ministère tiendra compte de vos propositions dans son document de politique sectorielle. Nous allons favoriser un climat de confiance pour des investissements accrus dans ce secteur important pour le développement de notre pays. Notre ambition est d'améliorer sensiblement la collectivité d'ici 2030 dans le but d'atteindre tous les Congolais. Dans cette optique, je note avec satisfaction l'adoption par le Conseil des ministres du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public dénommé Fonds de service, Fonds de développement. Toutes les parties prenantes
ont à l'unanimité suggéré à adopter les meilleures pratiques, notamment la régulation des points zéro, la numérisation de l'identité et le financement des projets d'inclusion numérique, et surtout œuvrer pour la réduction des coûts des services et des terminaux. Toutes lettres ou colis de 0 à 2 kilos en République démocratique du Congo devaient être envoyées que par la poste. C'est d'ailleurs une obligation. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications a, au cours d'une matinée d'information organisée hier, montré l'importance et la mission de la SCPT Eliange Atassa, Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Jusqu'à 2 kilogrammes, c'est la poste et rien ne remplace la poste. Tel est le slogan de la Poste congolaise qui détient le monopole de la distribution des lettres et des colis à 2 kg. Son DG a tenu une matinée d'information dans la salle de la conférence de la FEC à l'intention des clients et à toute la population résidente en RDC qui sont restés fidèles à ce service. Une matinée au cours de laquelle son directeur général a expliqué l'importance de cet établissement public. La Société congolaise de postes et de télécommunications a comme service de base recueillir, transporter, distribuer les courriers électroniques ainsi que débiter les timbres postes. En 2015, nous avons eu l'arrêté ministériel qui a mis en tout cas en exécution d'avril 2002. Et ensuite, cette année, donc, nous avons signé un contrat avec le gouvernement et avec le cahier des charges aussi de cette loi qui a été signée avec le ministère des Petites Antilles. Je pense que là, ça rentre vraiment dans la ligne droite de la volonté du chef de l'État, son excellence, le président de la République, chef de l'État, pour que nous puissions faire que notre pays arrête d'être seulement un potentiel pays qui sera le moteur du développement de l'Afrique centrale. Rappelons que la SCTP vient de signer un partenariat avec le gouvernement congolais à travers le ministre de Pétentique pour la collaboration et la coopération à l'exécution des tâches incombant aux services de télécommunications. Le CAFCO veut améliorer les connaissances de femmes qui ont pourtant de droits économiques pour bénéficier de mêmes opportunités que les hommes et que les ignorent. Il forme des sensibilisateurs, une trentaine au total, sur le projet de réforme et dissémination de tests de loi en faveur de femmes. Nono Maseko, Joël Kaimbe, Betty Amanikunda. Ils sont une trentaine, hommes et femmes, à être outillés sur la dissémination des textes juridiques et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Cette série d'activités organisées par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise pour renforcer les pouvoirs économiques a pour objectif de former les sensibilisateurs capables de convaincre les femmes à formaliser leurs activités génératrices de revenus. Ceci va aider à la prise de conscience de l'importance d'avoir des documents, donc de formaliser l'activité en question et de pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu par le gouvernement pour les petits et les moyens entrepreneurs. L'Alliance communautaire pour l'entrepreneuriat féminin a un rôle à jouer, l'accompagnement des femmes à avoir accès aux documents qui régissent les PME. On ne sait pas atteindre tout le monde en un coup, alors avec les ASEF, donc elles, ils vont dans des marchés, dans des quartiers, donc vers la communauté pour communiquer ce dont nous aurons besoin concernant l'entrepreneuriat féminin. Beaucoup de femmes sont dans l'informel, craignant le prix des documents, des commerces, craignant les taxes et tout ça. Donc elles vont aller vers la base, vers les mamans qui vendent le long de rues, devant leur maison, pour leur dire de devenir formelles. Et du côté plaidoyer, ils vont aussi vers les autorités pour faire des plaidoyers sur tout sujet concernant l'entrepreneuriat féminin. Les bénéficiaires de cet exercice des remises à niveau restent positifs et s'attendent à une adhésion massive auprès de la catégorie ciblée. Venons-en au lancement de travaux de l'atelier national de validation de guides méthodologiques pour l'élaboration de plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. C'est le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui a donné hier le top départ de ses assises. C'était à l'hôtel Memling. Un pas vient d'être franchi pour la mise en œuvre du gigantesque projet de développement des 145 territoires lancé par le chef de l'État. Les entreprises choisies pour exécuter ces travaux et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles procèdent ces jours à la signature des contrats de partenariat. Un accord signé sous le regard vigilant du ministre d'État en charge du plan, celui des ITPR et celui des médias et des communications. Les deux parties ont promis de respecter chacune leur cahier des charges pour mieux accompagner la vision du président de la République axée sur le développement
des infrastructures. Nous avons gagné le marché pour l'Elo 5 dans les territoires d'Ingendé, dans la province de l'Équateur, où nous allons construire 4 écoles, 3 centres de santé et un bâtiment administratif. Les travaux débutent déjà la semaine prochaine, a rassuré Alain Lungungu, coordonnateur de la cellule d'exécution des financements. C'est un programme de développement à la base. Et ce que la population peut attendre, c'est justement un démarrage effectif de ces travaux, mais aussi une amélioration de la qualité des infrastructures scolaires, sanitaires et aussi des services administratifs au niveau des différents territoires. Pour cette première phase pilote, cette province dont le Congo central, le Kwango, Wilou, Maïndombe, Équateur, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi sont concernés. Un commentaire d'Hiver Son Kabwaba et puis le travaux de projet de construction des barrages de Kakobola et Katende désormais confiés à une nouvelle équipe. Cette dernière a reçu des orientations du ministre de Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwenzemo Kaleng. Marie Kalong. Les travaux de construction du barrage de Katende dans le Kasaï et de Kakobola dans la province du Kwilu seront désormais pilotés par l'ingénieur Gabriel Mpombo Mulenda. Ce nouveau coordonnateur des cellules de gestion de construction des deux centrales a reçu des orientations du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemo Kaleng. Il s'agit de l'accélération des travaux, du déploiement de matériel de la SNCC jusqu'à Katende et de la mise en place d'un planning de redémarrage des travaux des deux centrales. On a parlé surtout des orientations qu'il voulait me donner par rapport aux nouvelles fonctions que j'assume en qualité de coordonnateur de la cellule de gestion de la construction des centrales de Kakobola et de Katende. Il a donné les grandes orientations et me donne aussi des conseils pour pouvoir assumer comme il faut la mission qui m'a été confiée. On a l'ambition d'avancer vraiment et terminer selon les timings qui nous ont été donnés. Concernant le projet Kakobola d'une capacité de 10,5 MW, les travaux d'implantation de lignes de transport sont en cours. Et pour le barrage de Katende d'une capacité de 64 MW, la SNCC se dit prête pour l'acheminement de matériel. Le patron de l'énergie, Olivier Mwenzemo Kaleng, ne ménage aucun effort pour l'aboutissement de ces projets. Et pour le rendre utile à la société, quelques jeunes de la province du Lualaba viennent de bénéficier d'une formation. L'avenir d'un pays dépend de la jeunesse, dit-on. La province du Lualaba fait de cet adage son cheval de bataille. Après avoir été formé pour une durée de 3 mois dans les domaines de l'électricité, notamment dans les cadrages de base et haute tension ainsi qu'en soudure, 69 jeunes viennent d'être lancés sur le marché d'emploi afin d'expérimenter leurs connaissances au profit de la province. Initiative du programme volontariste d'éducation et de formation professionnelle est financée par le Club national de sous-traitants afin de répondre à la vision du chef de l'État qui fait de l'entrepreneuriat de jeunes l'une de ses priorités et ce en vue d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La cérémonie de remise de brevets a eu lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Lualaba, dont les commissaires généraux de PME. Le président du Club national de sous-traitants, Gabriel Chitende, a incité ces jeunes à mettre en pratique les connaissances acquises. Mes amis lauréats, je vais vous dire une chose, le chemin est encore long. Moi-même, de formation, je suis ingénieur électricien, mais jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre. Donc, j'apprends sur le tas. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloge. Nous avons connu des très bons enseignants au regard de leur expérience. Ils nous ont vraiment aidés pendant cette période d'apprentissage et nous espérons être à mesure de mettre ces conseils en pratique. C'est ici que commence une nouvelle expérience pour cette première vague de jeunes formés. La CIFPA attend voir ses autres projets être mis en compte pour un partage équitable de richesses au profit des Congolais. La structure Vision Fachi de Ortis Ilunga et le mouvement de solidarité pour les changements de Laurent Obatomona se sont mis ensemble dans l'objectif d'accompagner les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur toute l'étendue du territoire national. Junior Yangumba. Monsieur
Vision Fatih Asbel et le mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à Laurent Batoumona, se coalisent pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, les coordonnateurs nationaux de la vision Fatih, accompagnés de quelques cadres, sont allés encourager les présidents provinciaux du MSC Kinshasa, Jeannot Binano, pour sa loyauté au chef de l'État et son sens élevé du patriotisme avec un diplôme d'honneur. Dans son mot, Jeannot Binano est revenu sur l'alliance de l'UDPS et son parti qui date de longtemps avant de condamner la guerre de l'Est et les conflits interethniques de Kwamout. Nous devons nous battre, ce n'est pas facile. On nous a imposé une guerre qui a duré plus de 20 ans à l'est de notre pays. On vient de nous imposer encore des massacres à Kwamout, des trucs montés. Vous savez encore ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine. Et tout ça, c'est pour déranger les actions du chef de l'État, afin que ces actions ne soient pas visibles. Mais nous qui croyons au développement de ces pays, nous les tenons avec nos deux mains et nous cheminons ensemble. Pour les coordonnateurs des visions Fatih, Ortiz Ilunga, ce diplôme vient couronner l'engagement de Jeannot Binano dans l'encadrement de la jeunesse et son attachement à son pays. Aux signatures d'une convention de partenariat entre le gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires sociales et actions humanitaires et les organisations sociales, la structure Centre professionnel pour le développement social était le premier à obtenir le partenariat avec comme mission d'assister les vulnérables, construire les hôpitaux et centres professionnels. On fait le point avec Rodé Panda. Les blessés des guerres ayant servi sous le drapeau peuvent aujourd'hui espérer, grâce aux innovations de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, un message de réarmement moral à ces victimes par le ministre ayant en charge les personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène Sambodiata, lors de la cérémonie des remises des vivres et non-vivres aux épouses des militaires blessés. Nous sommes venus pour leur témoigner cette vision du président de la République qui veut que personne ne soit oublié. J'ai profité aussi de l'occasion pour partager avec eux les innovations apportées par la loi organique concernant les personnes avec handicap, qui n'a pas oublié toutes ces personnes-là qui ont défendu la République au prix de leur sang. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire un décret qui sera signé par le premier ministre pour que nous puissions leur reconnaître par médaille de mérite, une reconnaissance de la nation et aussi travailler pour leur réorientation professionnelle. Cette activité organisée par l'Association des épouses des militaires et policiers en partenariat avec l'église des Bima avait pour but de redonner le sourire aux familles de ces vaillants combattants pour leur acte de bravoure et loyauté. On a pensé à leurs épouses pour qu'à travers les épouses, ils puissent quand même trouver un soutien dans leur famille. Occasion pour les bénéficiaires de faire un plaidoyer auprès de la ministre Irène Sambodiata afin de porter leur doléance au commandant suprême. C'était plutôt le message de réarmement moral à tous les blessés de guerre, message de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables lors de la cérémonie de remise de vivres et non vivres aux blessés, aux épouses de blessés des guerres. Et pour terminer, le 20 ans de l'existence de l'émission Télé Santé seront célébrés en septembre 2023 pour clôturer le 19 ans précédent. Le docteur Jeff Talanja a exposé sur le thème les avancées spécialisées. Rodé Panda. 20 ans d'existence de l'émission Télé Santé sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, les festivités ouvrent déjà ses portes. Le couronnement est attendu au mois de septembre 2023, le vendredi 30 septembre dernier, date symbolique qui a été choisie par le concepteur et producteur de cette émission, Michel Kiapamen, avec l'appui de tous les membres de la structure, l'Union des journalistes et communicateurs en santé UJISA, pour clôturer le 19e anniversaire et placer les pas dans la 20e année avec un plateau spécial dénommé Tribune Santé. Tout est parti avec le souhait de bienvenue
offert aux invités par Mimi Bondo, le docteur Jeff Ntalaja, expert et spécialiste neurochirurgien, premier sélectionné qui a bénéficié du privilège d'ouvrir les balles. Il a exposé sur les thèmes avancées hyper spécialisées en médecine. L'orateur du jour a, au cours de son intervention, démontré que la problématique de l'avancée hyper spécialisée ne peut pas faire l'objet de quelconque complexe. La RDC a plus de 250 médecins congolais spécialistes dans différents domaines. Les ressources humaines sont donc disponibles pour assurer la prise en charge médicale en RDC. La seule difficulté, c'est le manque d'un plateau technique moderne. Les médecins sont toujours dévoués et disponibles pour servir la population congolaise, a-t-il martelé. Attendu à ce numéro spécial de Tribune Santé, m'a empêché, le président du Sénat, le professeur Modeste Abati, n'a pas manqué d'envoyer un message d'encouragement aux journalistes. La représentante de l'autorité de tutelle, le docteur Anne-Marie Toumba, directeur du programme national de la santé de la reproduction, a lancé les festivités de 20 ans qui iront jusqu'au 30 septembre 2023. Coup d'envoi lancé pour les festivités du 20e anniversaire, premier numéro du plateau spécial de Tribune Santé, cap sur le deuxième plateau prévu à la fin de ce mois d'octobre. Désormais, la tradition est imprimée. Chaque mois, un nouveau numéro de Tribune Santé sera produit. L'invitation est donc lancée à tout le monde. À qui les prochains tours? C'était un journal de Louisette Nsakala qui a connu le concours de Liange Atassa. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la radio aux télévisions nationales congolaises. Je vous fixe à notre rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.